Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je suis en bonne compagnie, vous voyez. Donc une petite vidéo. Oula, attention, trépied qui bouge. Pour vous signifier que ben voilà, j'ouvre à partir de maintenant, elle est disponible avec le lien dans la description, une petite boutique Etsy pour vendre des coverminders. Alors, qu'est-ce que c'est les coverminders pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement de petits aimants mignons qui servent à retenir les papiers DDP. Vous voyez, là vous avez typiquement voilà, un morceau de feuille qui est soulevé, on a beau aplatir, ça remonte, ça fait du bruit, ça colle, ça se fout dans le chemin. Sur le papier opaque encore, c'est pas le plus embêtant, le pire c'est que le papier transparent, il est horrible. À ce niveau-là, il colle, il bouge, il fait du bruit, on voit rien, enfin bref, c'est la galère. Donc avec les coverminders, en fait, ça vous facilite la vie. Genre, hop, c'est des petits aimants. Et on les place. Yep, je suis pas en face, c'est pas facile. Voilà. On les place dessus. C'est joli, c'est mignon. Ça fait plaisir. Et ça y est, ça tient. Donc voilà. Donc je vais proposer des coverminders comme ceux-là en métal. Hein. Hop. Là, il y en a aussi d'autres. Yeps. D'autres. Ils sont pas en métal, ils sont plastique, résine, voilà. Et je vais proposer aussi des poubelles ADP, comme ce petit chaudron que j'utilise personnellement. Vous voyez, il y a le reste de mon DP dedans, des petits déchets. Donc voilà, donc ça c'est sur le même principe que les coverminders. Hein, je peux pas renverser. Voilà, il y a un aimant dessous, un aimant en dessous, de la feuille, et voilà, ça tient. Ou du coup, vous pouvez ne pas avoir de coverminder et juste prendre une petite poubelle si ça vous chante. Moi, j'ai toujours les deux, parce que ben, je trouve ça mignon pour les coverminders et utile. Et puis la poubelle en général, je ne l'ai pas directement sur la partie où je travaille, je l'ai juste un peu plus haut. Pour pas risquer de renverser. Et parce que j'ai remarqué aussi que par inadvertance, quand on est pris dans le DP, quand je veux refermer un tube de diamant, j'ai tendance à vouloir prendre mon chaudron pour fermer. Bon, voilà. Donc je le mets un peu plus haut. Alors pas le renverser, parce que oui, je l'ai déjà fait. Je suis une boulette. Donc voilà, donc tout cela, hop, je me les procure chez un fournisseur. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de quantité, surtout les métals. Les métals, j'en ai qu'un seul de chaque exemplaire qu'il y aura. Il n'y a pas tous les exemplaires là. Hein. Il y aura que ce soit les métalliques, les poubelles ou les en résine. Sans résine, il y en a plus que ça sur la boutique. Vous pouvez aller voir. Donc tous les métals, il n'y en a qu'un exemplaire de chaque pour l'instant. Le temps de voir si ça marche, si ça vous intéresse, je pourrais toujours restocker après. Ceux en résine, il y a largement plus de modèles que ça. Hein. C'est juste, voilà, une petite sélection. Il y en a où il n'y en a qu'un modèle, il y en a où il n'y en a qu'un dispo, il y en a où il y en a plusieurs, ça dépend. Ça, c'est au cas par cas. Les petites poubelles, par contre, celles-ci, donc toutes les petites poubelles, je les fais moi-même avec mon chéri qui imprime et peint. Voilà. Donc les petites poubelles, elles ont un délai un peu plus long. Il y a plus de stock, parce que ben on les fait nous-mêmes, donc quand on n'a plus, on en restock un peu plus facilement. Donc du coup, voilà, il y a un temps de livraison de 3 à 5 jours, je crois que j'ai mis, parce que ben, il faut le temps de les faire. Hein. C'est pas notre métier, donc voilà, faut le temps. Petite note trop mignon. Petit sourire, petit yeux. Voilà, je me suis laissé distraire. Je sais plus ce que je disais. Donc voilà, donc ça c'est disponible maintenant sur la boutique. Le lien est en description. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Achetez-en si vous avez envie de tester, si vous avez envie de voir. C'est des petites choses qui sont pas chères. Hein. Je crois que les moins chères sur la boutique c'est 2,50. Et les plus chères, ce sont les poubelles parce qu'elles sont plus grandes et elles sont faites main. Donc du coup, voilà. Il y a un peu plus de travail derrière, elles sont à 5 euros. Voilà. Pour ce qui est de la livraison, je livre en France, Belgique et Suisse. Si jamais vous avez d'autres endroits où vous avez envie d'être livré parce que vous n'habitez pas là, envoyez-moi un MP, ouais, sur la chaîne, soit sur Etsy. Je pense que ça doit être possible d'envoyer un message au vendeur. Bref, et je verrai si je peux ou pas faire une exception et livrer. Là où vous vous trouvez. Je crois que j'ai tout dit. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. À vous rappeler qu'il ne faut jamais arrêter de briller.
et à vous dire bye tout le monde.